Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présentent la chronique des expatriés. Une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Avec l'agence Odyssey Travel Service, fini vos soucis de billets d'avion. Qu'il s'agisse de voyages de tourisme, toutes destinations confondues ou de pèlerinage, Odyssey Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00 223 20 29 72 72 par courrier électronique à odysseytravelservice@yahoo.fr ou par boîte postale Bamako 03-211. J'ai commencé à faire du basket à l'âge de 15 ans. Tout d'abord, je faisais de l'athlétisme, je faisais du saut en hauteur, saut à longueur. Et par la suite, j'avais des amis qui faisaient du basket, je les suivais de temps en autre. Et c'était pas régulier, on va dire, c'était au Real. Ah, au Real. Oui. Et c'est un des dirigeants du Real qui m'a repéré, qui m'a fait venir dans son équipe, qui m'a offert des maillots d'entraînement, des chaussures d'entraînement, tout ça. Et du coup, bah, comme ça fait partie de la coutume malienne, mais quand on a des gens qui s'intéressent à nous, forcément, les parents nous poussent à aller toujours de l'avant. Et ma mère m'a beaucoup, beaucoup poussé à aller de l'avant. Je suis restée au Real 3 ans, je crois, et j'ai été sélectionnée avec les cadettes. Et après, bah, j'ai eu un contrat pour partir en France, donc en 2008. Et j'ai fait la préparation des Jeux Olympiques avec les seniors dames. Et pendant la préparation, j'ai été repérée par un coach français qui m'a fait signer à Perpignan. Alors, j'ai fait beaucoup de clubs. J'ai fait Perpignan, ensuite j'ai été à Pleubert-Christ, Angers, Suisse. Alors, Perpignan, c'était en 2008-2009. Ensuite, Pleubert-Christ, 2009-2010, Angers, 2010-2011. Ensuite, j'ai été en Suisse, 2011. J'y suis revenue à Brest en 2012, Wascal, 2013, Franconville, 2014. Sainte-Savine 2015, ensuite Charnay où j'ai été championne de France avec cette équipe-là pour monter en Ligue. Ramata Diakité, 25 ans, intérieur. Aslan Dabou, 25 ans, poste intérieur, et la plus belle de l'équipe. Le basket, déjà pour moi, c'est énorme parce que c'est quand je joue au basket, j'oublie tout. J'oublie tout et jouer avec l'équipe nationale, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour ma famille et il n'y a pas que moi en fait. Il n'y a pas que ma petite personne, il y a tout un peuple derrière, il y a toute une famille derrière, c'est énorme. Merci pour ce que vous faites pour nous, merci pour vos soutiens inconditionnels. Et d'ailleurs, je profite pour remercier notre public. Franchement, vous avez été énorme, vraiment énorme. Beaucoup. Merci, c'est très gentil. Oui. Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés. Une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Avec l'agence Odyssey Travel Service, fini vos soucis de billets d'avion.
Qu'il s'agisse de voyages de tourisme, toutes destinations confondues ou de pèlerinage, Odyssée Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00 223 20 29 72 72 par courrier électronique à Odyssée Travel Service @yahoo.fr ou par boîte postale Bamako 03-211.